Oh là, regardez-moi ce chien. Et Maramba, qui est naturellement un champion de France. Maramba. Maramba. Elle a une belle crête dorsale. Le chien à crête, le Ridgeback. C'est bien ça. Grâce là. Bien fort. Bien fort. Oh. Auriol. C'est bien ça. Avec le Rhodesian Ridgeback, j'aime énormément me promener dans la campagne. Il n'est pas figure, ne va pas à la chasse quand il est avec moi dans les villes. Il sait qu'il doit rester autour de moi. Il est fidèle à son maître. Très bien. Allez, viens. Sur ses terres d'origine, en Afrique australe, le Ridgeback était un chasseur. En France, ceux qui pratiquent la chasse avec ce chien sont très rares. C'est dans le département de l'Aube que nous avons rencontré M. Gespe. Il est l'un des seuls Français à chasser avec un Rhodesian Ridgeback. Sa chienne n'est âgée que d'un an. Et si elle n'a pas encore atteint sa pleine maturité physique, elle a déjà acquis tous les réflexes de la chasse. J'ai découvert ce chien pour le gibier d'eau dans les 6 premiers mois où on l'a possédé. On l'a amené à l'étang et au fur et à mesure de venir et de tuer des canards, le chien s'est mis à la chasse comme tous les chiens dans la mesure où ils sont dans des situations réelles. Il n'a absolument pas peur de l'eau. Au contraire, il passe des journées dans l'eau et il n'a jamais froid. Par goût, j'adore chasser le canard avec le chien car il brousse et c'est d'ailleurs un chien broussailleur, il fait partie des chiens broussailleurs actuellement dans les catégories. Il va dans les roseaux, il le plonge très bien, il lève les canards dans les roseaux en les recherchant intelligemment. Et lorsque l'on tue un canard, on a 99,9% de chance de le retrouver car comme c'est un chien peut-être un peu têtu, s'il voit un canard tomber, il ne le laissera pas partir. Passé là il n'y a pas longtemps. Viens là. Il n'y a personne à gauche. Hein. Tiens, dans les roseaux. Hop. Cherche. Allez. Voilà. Viens. C'est bien. Vous voyez, sans le chien, j'aurais jamais retrouvé le canard. C'est pas possible, il plongeait, il était blessé. C'est l'avantage du chien, c'est qu'il va pas loin, on localise un peu l'animal. Et après, le chien fait son travail, il retrouve le canard.
Alors, mais c'est un très bon chien de proximité. C'est pas des grands chiens qui vont loin, c'est des chiens très intéressants avec lesquels on peut chasser. Et quand vous êtes dans des belles chasses, c'est un chien qui fait pas la foire comme d'autres chiens qui partent et puis vous n'avez plus rien. Donc c'est un chien de toute confiance. Mais bon, il faut tout de même être assez ferme avec ce type de chien. Et puis bon, on a la chance d'avoir un chien qui a du nez, donc tout va bien. Voilà, allez, viens, on va se rincer. Hein? C'est un chien très calme et très docile. Il reste autour de la maison. C'est un bon gardien, car si quelque chose est anormal autour de la maison, votre chien aboie, mais ne présente aucun caractère d'agressivité. Les enfants peuvent venir le prendre, le caresser. Je n'ai jamais eu aucun problème avec le Rhodésien Richback de méchanceté. Donne maintenant. Pas du tout abîmée. Elle a attrapé au vol. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on avec le fusil, parce que si on a le fusil un peu rapide, la gâchette un peu rapide, on peut très bien attraper le chien. C'est un chien pisteur. Elle le piste. Voilà. Et que ce soit des perdreaux, des faisans ou des cailles. Ou des canards, ou des pigeons, c'est la polyvalence totale, ce qui est très agréable. Le département de l'Aube est aussi une terre à gros gibier. Lors des battues au sanglier, le Ridgeback de M. Jesp s'intègre parfaitement au groupe de Kopov Slovaques réunis pour l'occasion. Sans problème. Bon, allez, un petit écart. On va découper là. Allez. Allez, petit. Allez, petit. Allez. Au revoir. Allez, va. On se cornerait quand on tombe dessus. Pour moi, la première des qualités, c'est qu'il ne va pas trop loin. Même lorsqu'on chasse au bois ou au sanglier, il mène le sanglier. On sait qu'il y a du sanglier et il ne va pas très loin. Dès qu'on le corne, c'est un chien qui revient tout de suite. Ce chien m'amène la satisfaction d'un compagnon hors pair. Comme je crois qu'on dit, on a un bon chien dans sa vie. Je crois que là, nous avons un bon chien de chasse et un bon compagnon.
Le Rhodesian Ridgeback est un chien méconnu en France. Pourtant, cet ex-chien de safari est un surdoué. Descendant étonnant de chiens primitifs africains, de lévriers et de mastifs anglais, il réunit toutes les qualités. Certains sujets sont capables d'atteindre une vitesse de pointe de 60 km/h. Il peut aussi bien débusquer et tenir aux fermes de grands fauves comme les lions qu'être un chien de compagnie hors pair. Entre ces deux extrêmes, il sera parfait pour toutes les chasses et sera bon gardien. Populaire chez les Anglo-Saxons, le Rhodesian Ridgeback devrait entamer bientôt une belle carrière en France.